Madame, monsieur, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est avec un peu de plaisir que nous avons le privilège et l'opportunité pour nous ensemble encore après-midi pour une autre édition, changer l'esprit, changer la vie. Donc, nous avons excusé nous pour retard, justement, que nous accusons. Donc, nous prenons le temps de nous et déjà, grâce à Dieu, nous présents, nous bel et bien présents pour nous faire une autre présentation, changer l'esprit, changer la vie. Donc, déjà, bienvenue à nous toutes et notamment nous-mêmes qui déjà live avec nous sur Facebook. Donc déjà nous disons bienvenue et notamment nous souhaitons nous pour nous capables bien participer avec nous dans l'émission Changer l'esprit, changer la vie pour jeudi. Donc déjà bon plaisir et nous souhaitons nous la plus cordiale de bienvenue. Rapidement nous pour aller entrer dans l'émission déjà puisque nous déjà quelques minutes en retard déjà. Donc nous pour justement entrer rapidement pour permettre que nous capables justement entrer dans l'émission jeudi là. Donc naturellement nous rappelons que l'émission ça qui est changer l'esprit, changer la vie. Nous connaissons clairement que c'est Guéfou Jean-Pierre, votre serviteur qui est avec vous, n'est-ce pas vrai, pour présentation émission à soir encore une autre fois. Donc merci déjà pour monde qui commençait à monter, monde qui déjà en fait à saluer nous. Donc d'accord, merci en pile, content en pile et camarades, content en pile. Donc, déjà, bon plaisir, Evans Pierre. Donc, bon plaisir, mon cher. Je suis content que vous déjà monté pour capable faire ça. Et puis, on a demandé au like et puis, share li avec Zami Pau, de sorte que vous êtes capable de gagner l'opportunité à ce que vous êtes capable de garder l'émission ça ou bien vous êtes capable de t'en délire. Puisque nous connaissons l'objectif là, c'est qui s'allie, c'est aider ou découvrir qui est souillé, n'est-ce pas vrai? Aider ou découvrir qui est souillé, capacité que nous gagnons dans nous. Et qui côté nous sorti, puisque nous connaissons, nous c'est la création, n'est-ce pas vrai? Nous sorti dans la création, nous sorti normalement, dans source nous sorti normalement dans le Créateur. Donc nous t'es créé, bon Dieu t'es créé nous avec objectif pour que nous continuions la création, naturellement. Et ceci, il n'y a pas tenu compte de question couleur, quel que soit, depuis c'est moun nous y est. Nous créer pour nous capables continuer la création. Donc ça veut dire que vous-même capteur de Mika Gadem là connaissez ça, je veux dire, ou son créateur. Naturellement, ça passait en pile fois, c'est que notamment nous-mêmes haïtiens, notamment nous-mêmes les blacks, comparativement à origine, ils étaient passés dans l'esclavage, ça veut faire nous vin malheureusement à créer la vie nous pas voulez, parce que nous focus sur ça nous pas voulez, nous parler plus de la misère, nous parler plus de maladie, nous parler plus de mauvais côté la vie méchante, la vie pas bon, etc. Donc c'est nous garder effectivement tout autant que n'a parlé de la vie comme ça, et eh bien la vie a vint pis mal pour nous. Maintenant ça fait que émission ça vient permettre que pour capable prendre précaution qu'on a pour éviter pour parler pour focus sur sauver les sont tarmes réalisés dans 5 ans exactement là nous en 2021 qui va le finir. Dans les prochains 4 ans, ou bien dans les prochains 5 ans, comment t'as remédié? Donc, c'est sur ça pour travailler, c'est sur ça pour focus, et bien de sorte que vous pouvez regarder effectivement, j'en t'ai pensé de lien, j'en t'ai imaginé, là, on va pouvoir venir exactement, j'en t'ai imaginé. Donc, c'est ça fait que nous venons avec l'émission, ça pour nous aider à comprendre dynamique, qui j'en nous fonctionne en tant que monde, comment nous créer, puisque bon Dieu fait nous à son image. Dieu est créateur, il fait nous également comme créateur, mais comment nous créer? Nous créer par la pensée. Maintenant, côté pensée nous sorti dans aux croyances. Croyances, comme nous toujours aimons faire, citer quote ça ou bien déclaration ça, croyances déterminées pensée, pensée déterminée parole, c'est-à-dire parole, parole déterminée action ou décision, décision déterminée résultat. Résultat déterminé, justement, habitude, habitude déterminée, caractère, caractère déterminé, valeur et valeur déterminée, destinée. Donc, ça veut dire que normalement, loi fondamentale de la vie, c'est la croyance. Ça fait noter, toujours répéter ça dans l'émission, hein? Croyance pas au bagage religieux, croyance sur activité humaine. Depuis moun, ou doué croire. Donc, croire veut dire, un, ou croire dans tête ou croire dans le monde qui crée ou là, notre créateur. Ensuite, ou quoi dans l'autre monde qui est autour de vous. Mais ça qui est intéressant dans la croyance, si on ne croit pas dans la tête, il est difficile pour le croire dans l'autre monde et il est difficile pour le croire dans le bon Dieu tout. Donc ça fait que nous recevons une éducation qui, en pile fois, fait nous
fait nous pas gon meilleure estime de nous, comme si nous manquions fier de tête nous manquions apprécier nous manquions remet nous. Ça veut dire normalement l'homme manquait remet tout ou vient pas ca enjoy sacré l'amour effectivement, parce que premier bagage qu'on a besoin faire, faut apprendre apprécier tout à sa juste valeur. Sans tenir compte de qui côté sorti, sans tenir compte de nos qui famille sorti, vous devez remet tête ou apprécier à sa juste valeur, parce qu'au fait à l'image du Créateur, à l'image du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Donc ça veut dire que normalement nous gagnons en pile valeur. Donc par conséquent, quand il fait émission, ça c'est ça le vient faire ou faire, venez de découvrir ça yo et prendre conscience que c'est vous même qui gagnez pour capable créer vous. Donc maintenant, normalement, puisque bon Dieu crée nous pour nous développer une interrelation avec lui-même, pour nous développer un partenariat, un partnership avec lui, donc qui veut dire que normalement, pour le travail là, c'est moi avec vous-même qui dois faire. Donc c'est ça fait que émission ça vient vers nous. Donc naturellement, si vous voulez faire un rappel pour nous-mêmes de tout ça, nous parler déjà. Nous t'ai parlé de la puissance de la pensée, n'est-ce pas vrai? Nous t'ai dit, quelle que soit son pensée, normalement, l'y tourne réalité. Quelle que soit son pensée, l'y tourne réalité la vie. Maintenant, nous t'ai dit, pensée, nous t'ai gardé puisque croyance sortit. Regardez, pensée sortit dans croyance. Qu'on a noté, essayer de garder pensée avec croyance. Nous t'ai mettez croyance avec ça nous relève. Nous t'ai mettez croyance, nous t'ai essayé de développer croyance et pensée. Nous t'ai mettez ensemble pour nous regarder justement qui ça le nous. Et puis qu'on a noté commencer à travailler sous croyance là, c'est-à-dire en termes de nous t'ai essayé mettez justement en relation croyance avec capacité humaine. Est-ce que l'homme faible? Nous t'ai ouais clairement que l'homme sont être fort, yon être capable, yon être intelligent. Parce que nous pas qu'à faire, parce que nous t'es ouais, tout ce genre de bagaille, nous t'as justement développé. Ensuite, l'homme fin parler de nous fort, nous capables et nous intelligents. Ensuite, nous t'es ouais, est-ce que bon Dieu voulait que nous en santé? Nous t'as gardé croyance avec la souffrance. Nous t'es ouais clairement que Créateur qui t'a fait nous, voulait nous vivre en bonne santé. Donc nous t'es ouais, tout détail dans toute émission que nous t'es fait déjà. Yo. Après ça, nous t'es metté penser, nous te mettez croyance avec la question de la misère, nous te well, et nous te well, texte biblique, normalement, que nous avons utilisé, que nous mal utilisé, qui fait que nous venons développer un sentiment de rejet face à la richesse, nous venons parler mes richesses, nous venons railler l'argent, nous venons railler vivre la prospérité, alors que nous créons pour nous gérer richesse. En un mot, c'était ça que nous t'ai essayé ouais nous t'ai essayé garder parce que là nous t'ai fini garder texte biblique et puis qu'on y a ça devait être que nous t'ai regardé effectivement quelle a été l'intention originelle du Créateur qui ça t'a poussé le créer l'univers notamment créer la terre créer l'homme à son image à sa ressemblance qui ça passé et ben il t'a créé nous pour nous t'a jouer un rôle de manager pour nous t'a manage pour nous administrer pour nous gouverner. Parce que justement, normalement, l'Éternel te dit, nous fait l'homme à image, ma ressemblance. Donc, c'était ça, mon Dieu, te voulait dire. Donc, maintenant, nous t'es clairement, nous t'es créé pour nous gérer richesse, pour nous gérer l'argent, pour nous gagner moyens pour nous fonctionner correctement bien. Donc, maintenant, c'est, en un mot, c'est presque ça, nous t'es dit, dans presque toute émission qui passait déjà. Donc, je veux dire, nous allons continuer à approfondir, justement, et l'autre thème que nous allons continuer à avancer, nous allons continuer à approfondir, même après ça, à savoir, et qui plan bon Dieu pour nous, pour la prospérité. Donc maintenant, c'était ça que nous t'a développé, et ça fait nous t'a cherché à l'origine, pour nous dire nous-mêmes côté nous sortir, puisque c'est bon Dieu qui fait nous, lui crée nous en image, lui, en ressemblance, lui, et que nous t'a dit ben nous comme mission pour nous dominer. Donc maintenant, puisque mission nous, c'est une mission de domination, donc maintenant, nous t'a sa domination, vous l'avez dit, donc il est vrai que nous n'avons pas le petit temps pour nous faire rappel encore, et puis après ça, pour nous rentrer dans le point aujourd'hui. Donc déjà, moi connais que nous déjà disposés. Partagez pour moi, s'il vous plaît, share, like, etc. Pour en sorte que nous capables au courant de ça, pour nous connaître clairement que nous c'est Créateur. Et nous mettre dit ça avec, sans, nous mettre dit ça sans nous pas peur, l'homme est Créateur. L'homme est Créateur au même titre que son Créateur, parce que c'est bon Dieu qui crée nous pour nous continuer la création. Donc, c'est-à-dire que le bon Dieu t'a créé, tout bagay en Eden, il fait poisson dans la mer, il fait oiseau, il fait pied bois, il fait tout l'autre bagay yo, n'a pas gardé, bon Dieu,
pate, bon Dieu pa te fè chèz an Eden, li pa te fè kaban an Eden, li pa te fè avion an Eden, li pa te fè il pa te fè machine, en fait voiture, machine ki n'a kouyo, li pa te fè an Eden, tout bagay, bon Dieu pa te fè ken station de radio an Eden, li pa te fè ken micro an Eden, li pa te fè ken télévision, il pa te fè ken notamment ken ordinateur, ouais. Parce que tout ça, c'est invention humaine. Moyen, ça, c'est déjà là. Matière première, c'est là. Mais qu'on y a, c'est l'homme qui vient estimer que il y a nécessité pour eux. Et puis, immédiatement, qu'on a pensé avec elle. Et puis, bon Dieu, fait moun qui a pensé là, inventer le jeune moyen pour venir mettre normalement, faire paraître à l'existence. Donc, ça ne fait que, c'est même bagaille à tout pour moi avec vous. Si nous avons l'idée, nous avons bagaille, nous avons côté de nous arriver, nous voulons pour nous arriver faire, nous pensons à elle, et bien, ben nous garantissons, nous avons gagné dans la main. Parce que depuis nous avons dans l'esprit, nous avons gagné dans la main. Depuis nous avons bagaille dans l'esprit, nous avons gagné dans la main. Et ça fait, c'est un côté que l'homme doit prendre pile précaution pour ne pas quitter le monde jouer dans l'esprit. Ou. Parce que immédiatement que, au monde joue dans l'esprit, li mette à faire parle dans l'esprit, c'est ça li mette dans l'esprit, c'est lui pour le faire. Et c'est ça fois la religion vin, en fait monde qui religieux notamment, yo gen pile difficulté pour bien fonctionner parce que yo gen croyance qui pas basée sur presque rien en termes de valeur biblique et puis qu'on y a ça vient faire qu'on y a nous vinn croire dans des bagailles qui pas utile. Donc ça ne fait que nous vinn développer la misère, nous vinn développer maladie, nous vinn développer un paquet de bagailles, ça fait ça parce que nous vinn c'est croyance là qui crée tout problème ça. Donc ça fait que n'a essayé regarder à la lumière de la Bible qui croyance que nous devons gagner, qui intention originelle le créateur t'a gagné l'elle t'a pris initiative créer avec vous. On nous prend petit tout petit rapidement n'a tourné pour nous rentrer dans plein pied dans l'émission jeudi là. Soit peine branché, pas oublier que vous êtes sur 99.9 Radio Panic FM, ici Orlando, Florida. Ou bien, vous me déjà connaissez clairement que c'est au live avec Geoffrey Jean-Pierre dans l'émission Changer l'esprit, changer la vie. Donc, ma petit rappel pour nous dire clairement que nous avons une chaîne qui est sur YouTube et un account qui est sur YouTube qui est Geoffrey TV. Geoffrey TV, c'est, je ne connais nos écrivains, c'est G. UERPHRY et puis TV. Donc depuis vous allez sur YouTube ou écrit Geoffrey Jean-Pierre Geoffrey TV et puis rapidement vous allez joindre justement ensemble de vidéos que nous postons. Là il y a aussi audio, il y a des vidéos. Normalement on va joindre justement tout ça que nous postons en termes de formation qu'on y a qui est disponible si vous besoin d'entendre davantage. Et puis n'apprendons en même temps de pour aller ça vous fait tendez-vous et en même temps, subscribe ou bien abonnez avec channel là, de sorte que toute vidéo que n'a posté, tout ça que n'a posté comme information, ou capable au courant de vous, et de sorte que vous capable de venir utile normalement en termes de le connaître et le mettre en application. Et puis, m'a rappelé nous également, l'émission ça est supportée par Joab Angerville LLC, et LLC qui est placé dans 6220 South Orange Blessing Trail. Là ou a besoin faire assurance actuellement là pas un problème, ou capable de reler dans 407 529 72 22. Et puis si vous besoin faire immigration, toute catégorie et information dans affaire immigration yo, ou capable justement et nous capable faire ça pour même là. Actuellement là monde qui besoin faire application pour TPS, monde qui besoin en fait faire le cas de travail, monde qui besoin justement faire tout ça concerné en fait forme résidence, renouveler résidence, tout ça yo, ou pas un problème, ou capable faire ça. Ensuite si vous besoin acheter ton cas et tout, ou capable contacter également Joab Angerville LLC qui est dans 407-529-7222, justement pour faire ça. Ensuite, l'émission ça également li supporté par l'Église d'Impact de la Rédemption qui est située dans 6925 Lake Lenoir Drive, suite 112. Donc, il est supporté également. Il est supporté aussi par JP Consulting
Services LLC qui trouvait le 1310 West Colonial Drive, justement. C'est là où il est, donc en termes de sous besoin fait toute bagarre qui ça dit toute bagarre qui rapport avec pas légal en termes d'immigration, donc on est capable consulter JP Consulting Services LLC. Donc ça c'est 1310 West Colonial Drive, donc c'est eux même en attendant qui porter support pour faire faciliter émission ça river joindre nous la caillou. OK. Donc rapidement on nous rapidement aller entrer dans et information que nous voulons partager avec vous-même en termes de rappel. Pas oublier que nous t'ai fini tout ça me dit déjà dans début émission, c'est des bagages que nous avons déjà. Donc soit sur Gefree TV sur YouTube également ou capable d'entendre tout ça que en pile dans ça nous habitué dire, mais il y a des autres bagages que nous pas qu'on poster vidéo parce que passer tellement gagné causer parole pour nous partager, ça vient faire nous beaucoup justement poster toute information ça va. Mais qui ça nous t'a essayé ouais pour permettre que nous t'es capable essayer citer ou même bao en idée ou même qui justement à peine branché, eh bien qui ça nous fait, ça dit que nous t'a essayé mettre en valeur et pour nous te garder notre première émission de fait nous t'a fait sur la pensée. C'est penser nous qui créer la vie nous. Nous créer la vie nous avec pensée. Parce que bon Dieu créateur, il t'a créé avant parler Dieu à penser. Parce que la Bible dit nous clairement, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux dans Genèse chapitre 1er. Donc maintenant, elle dit, le mouvement de l'Esprit, c'est l'imagination et la pensée. Donc ça fait que bon Dieu pensait avant. Avant, la Bible dit, ça veut dire que bon Dieu était pensé avant. Effectivement, penser bon Dieu tourner réalité. Même gentil, bon Dieu mettait même capacité ça dans nous, l'homme, penser nous tourner réalité. Si nous regardons, effectivement, côté nous actuellement là, madame nous gagne, timoun nous gagne, business nous gagne, ou bien style de vie que nous avons mené, job que nous avons fait, li exactement reflété mode de pensée nous. Mais quand nous avons pensé à quoi nous sorti, nous sorti nos croyances. C'est-à-dire que puisque c'est croyances qui va nous penser, eh bien, inévitablement, ça ou à faire, li exactement reflété mode de croyance. C'est-à-dire qu'il croyance qu'on est dans la tête ou, ça ou estime qu'on a fait, et puis également, et c'est ça qui vient permettre que nous venons gagner ça. Donc nous avons gardé tout enchaînement ça ensemble qui vous permettre que nous arrivions à ce niveau-là. Maintenant, là nous finissons faire travailler ça comme ça, là nous finissons faire et garder aspect croyance ensemble avec nous-mêmes, et bien nous essayons de questionner pour nous dire est-ce que l'homme, bon Dieu, a créé nous pour, en tant qu'un être qui faible. L'homme, nous dit clairement que la Bible dit nous clairement bon Dieu crée un être, un homme à image et à ressemblance. Et en plus, bon Dieu, il a dit, même là dedans, il était fin, il était venu chuter, il était tombé, il a dit, il était venu perdu, ça lui est la domination, parce que ça, Adam et Eve était perdu, il était perdu domination, ça Jésus-Christ fait, Jésus-Christ vient mourir pour nous, lui reprendre domination, normalement Adam et Eve était perdu, et lui baille à tout le monde qui croit dans lui. Il baille à tout le monde qui croit dans lui. Ça veut dire que nous venons gagner encore la domination. Maintenant, puisque nous venons gagner domination, eh bien, normalement, la Bible dit nous clairement que Jésus, bon Dieu, ben nous, un esprit de force. Non pas un esprit de timidité, un esprit de force et de, en fait, un esprit de force. Parce que justement, nous t'étions dit tout ça dans l'autre émission que nous t'étions développé déjà. Donc maintenant, nous t'avons essayé de garder croyance à la misère. Quand elle sorti, comment nous fait, en fait, notamment dans toute, en fait, dénomination, et black, yo, noir, yo, justement, l'église, son paquet de l'église pauvre. Problème, non, quand elle sorti, il n'est pas sorti, parce que moi, personnellement, qui a l'opportunité de voyager, notamment quand je vis aux États-Unis, moi, ouais, l'église blanche, qui j'ai envoyé. C'est-à-dire que c'est l'église blanche là, comme ça, donc normalement, et c'est même bon Dieu que l'on a servi, donc, alors que il est totalement différent de l'église noire. C'est-à-dire que ça montre clairement que le problème n'est pas dans le niveau, c'est pas dans le niveau bon Dieu lié, parce que pas que deux bon Dieu sont seuls. Maintenant, le problème c'est dans le niveau belief system, c'est dans le niveau croyance. Parce que justement, le fait que blanc yo même yo développe une croyance yo qu'on est normal et pour yo riche pour yo gagner aussi des moyens pour fonctionner, ça veut dire que l'église yo même gens yo fonctionner correctement bien. Donc ça veut dire que pour le moment c'est un niveau croyance qui est un niveau qui est installé la caille nous même les noirs, notamment nous connaît clairement que nous t'ai gagné, nous t'ai passé dans l'esclavage et notamment christianisme dans gens dans conception christianisme je veux dire en termes de gens yo concevoir là. Elle dit que les messieurs, après la mort apôtre, et que Tévin fait la conception du christianisme, justement, dans l'Antiquité, justement, avant le Moyen-Âge, eh bien, ils n'ont pas fait un christianisme avec une conception. Ils ont fait évangélisation, puis ils ont aidé le monde à développer.
Yo, au contraire, notamment les dans le pays noir, en Afrique et autres, yo t'as là avec objectif pour yo rendre nous esclaves. Les esclaves, vous l'avez dit, pour yo rendre nous pas monde, pour yo diminuer nous en tant que monde. Donc, yo pas t'as jamais vienne enseigner nous en croyance qui vous fait que nous connaissons nos gains valeurs, nous intelligents, nous importants. Yo pas t'as jamais enseigner nos bagages comme ça. Mais malheureusement, ça vient gagner, malgré ça, nous, les révoltes protestantes qui étaient venues faire. Mais malheureusement, si nous regardons dans l'ensemble du christianisme, notamment Jean a enseigné dans l'église noire, ça veut dire clairement c'est même tendance ça qui est toujours passé. Non seulement nous pas bons, nous pas bons, nous sales, nous ceci, nous cela. Si nous regardons comme si toute façon que a enseigné, c'est façon qui côté pour nous montrer nous que nous pas bons, que nous pas semblant rien. Exactement ça comme si et puis a essayé mettons on fossé entre nous avec mon Dieu. Alors que la Bible montre nous clairement que bon Dieu lui-même la cherche en union, la cherche en relation avec nous et puis bon la religion lui-même il a cherché mettre forcé, mettre un abîme entre nous avec bon Dieu. Parce que la Bible dit nous clairement que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, ça d'après 1 Corinthiens 6 verset 17. Well, donc ça veut que il a mettre en fossé alors que la Bible lui-même l'a cherché l'unité, l'a cherché l'unification entre l'homme avec Dieu. Donc maintenant, croyance ça qu'on a qui vient traverser justement de génération en génération, vient porter les résultats ça veut dire qui vient faire nous gagner mode l'église ça yo, nous gagner mode chrétien ça yo, justement des chrétiens faibles, ma monde qui malade, qui pas gain corps pour faire face à besoin yo, ça fait ça parce que ce problème de croyance lié. Donc maintenant ça fait que nous t'avons essayé retourner pour aller chercher qu'on est-ce que c'est qu'on s'allie. Et ça fait nous t'es venu avec la question justement nous t'es venu développer ça pour nous t'es ouais clairement que nous créer pour nous capables de dominer. Parce que ça bon Dieu la Bible dit nous clairement d'après Genèse chapitre 1er le verset 26 rivé dans verset 28. Clairement que nous t'es ouais que lorsque bon Dieu t'a créé ça fait il t'a dit clairement que il t'a dit Dieu dit faisons les hommes. Ça m'appelle ça dans version que les versions du semeur. Il dit, Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, ou bien, ouais, à notre ressemblance, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Donc, ça veut dire que l'intention originelle de Dieu, l'intention à l'origine, ça veut dire comme perspective, fait l'homme pour que l'homme capable de dominer. Dominer nous théoël, clairement que dominer nous théoël, qui ça livre dit nous, clairement que la Bible dit nous clairement, nous créons pour nous dominer, nous créons pour nous dominer richesse, nous créons pour nous dominer sous les événements ou les circonstances. C'est-à-dire c'est tout ça nous créons. Parce que l'homme dit que clairement que créer pour nous dominer, créer pour nous dominer, vous voulez dire, mot dominer que la Bible est présenté dans l'hébreu, parce que nous connaissons l'Ancien Testament qui est en hébreu, eh bien, normalement, dominer, ce mot original, c'est RADA, R-A-D-A-H, qui signifie gouverner, administrer, gérer, posséder, n'est-ce pas vrai, prévaloir, exercer autorité, exercer puissance, commander. Donc maintenant c'était comme ça, c'était le bon Dieu dit, lui crée nous pour nous dominer, lui crée nous pour nous gouverner, lui crée nous pour nous administrer, lui crée nous pour nous gérer. Donc ça veut dire que chaque monde capitaine de blanc, ou crée comme un gestionnaire, ou crée comme un gouverneur, ou crée comme un administrateur. Ok, maintenant c'est comme ça nous créer. Donc maintenant et ensuite, là la Bible dit clairement que Libanon domination. Au domination, veut dire gagner souveraineté, gagner autorité suprême, gagner pouvoir de gouverner, gagner pouvoir pour nous contrôler, gagner pouvoir pour nous diriger, gagner pouvoir pour nous utiliser, disposer à volonté, et puis droit de posséder. Donc, tu as dit que c'était ça que mon Dieu t'a fait. Normalement, il était gagné pour nous l'homme à l'origine. Le map dit l'homme, moi je dis ni blanc, ni noir, quelle que soit couleur, parce que mon seul race, c'est la race humaine. Donc ça fait que y compris moi-même qui haïtien avec nous-mêmes qui haïtien capitaine nous gagner domination. OK. Maintenant normalement ça vient passer nous connaissons ça qui passé évidemment Adam et Ève te vinn péché, yo te vinn tomber. Maintenant yo te vinn perdu ça relé la domination. Et ça fait ça Jésus fait bon Dieu dans son amour il fait plein de la rédemption et puis pour le cas riba nous ça relé la domination. Et d'ailleurs c'est pas tout pas que temps que bon Dieu était prêt pour faire ça. Il était normalement en Éden même dans Genèse chapitre 3, normalement lorsque il était fin parler normalement avec Adam,
pour connaître ce qui passé. Eh bien, il connaît Adam expliquer ce qui est gagné, Eve dit ce qui est gagné, etc. Et puis, évidemment, bon Dieu, rapidement, il dit Adam, il dit serpent, mais ça l'a bien pour le faire, n'est-ce pas vrai, dans Genèse 3, 15. Et puis, rapidement, bon Dieu, fait abîmer soit Adam et Eve, normalement, il y aurait établi contact, communication, encore repassé, même genre. Donc maintenant, et puis, ça vient faire évidemment, Jésus encore vient venir pour le mourir, pour le rebanon de la domination. Donc, nous gagnons, ça nous est la domination. Ça fait qu'on y a, puisque nous gagnons domination, nous gagnons domination toujours pour nous gérer, administrer richesse. L'homme dit ça parce que justement, toute sa bonté est créée, même si poisson dans la mer, oiseau dans le ciel, que ce soit ces sables, bol en mer, il y a toutes ces richesses, il y a toutes ces ressources, que ce soit ces gaz qui en bas en mer, l'or, etc. Toutes les ressources, c'est richesse. Donc, nous créons pour nous gérer richesse. Donc, maintenant, comment nous imaginer que nous créons pour nous gérer richesse et puis qu'on y a pour bon Dieu, voulait que nous passions misère, pour nous, c'est la misère, pour nous faire, pour nous pas gagner difficulté, pour nous charger à difficulté, pour nous faire face à besoin. Donc, ça veut dire que normalement, ça a une incohérence totale et capitale. Donc, problème n'est posé parce que justement, Jean, le christianisme, vient joindre nous. Et bien, il vient venir avec l'idée pour faire notre esclave. Et justement, et jusqu'à cette présente minute, tendance qui passait dans le christianisme, c'est même bagaille, tendance pour nous toujours sembler avec esclave. Donc maintenant, ça fait que nous venons avec l'émission pour nous essayer et de comprendre ça. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a, normalement, nous te dit clairement que les bons dieux, tellement bon Dieu te voulait, c'est des gestionnaires, des administrateurs, des gouverneurs que tu as créé, nous avons gardé un bagage qui passait. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit nous clairement que il est nous de façon grosso modo qui j'ai bon Dieu créé. Mais dans Genèse 2, la Bible essaie plus ou moins de certains détails sur qui j'ai nous créé, comment la Bible créé. Donc dans Genèse chapitre 2 verset 5, normalement on n'a pas regardé que ça bon Dieu dit, normalement l'Éternel Dieu, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Bon Dieu, pas quitter la pluie tombée sur la terre. Pour qui ça? Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Oui, parce que normalement la Bible dit nous en Genèse 1er, comment Dieu fait, Dieu nous fait l'homme à son image, etc. Dans Genèse 2, qui vient nous détailler, mais qu'on a plus que dans Genèse 2, verset 5, verset 7, clairement que bon Dieu pour côté montrer comment le fait l'homme, puisqu'il fait l'homme comme au esprit, n'est-ce pas vrai? Et puis qu'on y a l'air, qu'on y a le poil, mettez l'esprit pour le vivre sur la terre, li mettez li nan yon corps, comme ça, li fait li avec environnement que le poil interagir avec là. Donc ça fait que bon Dieu vient mettre l'esprit qui c'est l'homme, normalement, le mettez habiter dans le corps. Donc en un mot, si nous voulons définir l'homme, ça l'homme, l'homme son esprit qui gagne en âme et qui habite dans yon corps. Donc ça veut que l'essence de l'homme, c'est l'esprit. Donc nous c'est esprit. Donc maintenant c'est l'esprit que mon Dieu mettait habiter normalement dans corps. Donc maintenant puisque corps a parlé pour interagir avec l'environnement qui c'est la terre, donc mon Dieu mettait nous, mettait l'esprit nous, mettait l'homme habiter normalement dans le corps. Donc maintenant l'homme comme esprit. Ça fait bon Dieu pas quitter la pluie tombée parce que il faut un manager, il faut un gouverneur, il faut un gestionnaire qui pourra gérer ressources d'après Genèse 2 verset 5. Maintenant ça vient de passer. Bon Dieu, ça le fait pour nous. Qui ça bon Dieu? Ba nous, à ba nous. N'est-ce pas vrai? Justement, comme chrétien, comme monde. Eh bien, là, nous la prière, bon Dieu nous demande. Bon Dieu, généralement, pas répondre pour nous comme ça avec ba nous exactement. Ça bon Dieu, ba nous, bon Dieu, toujours ba nous habilité. Li ba nous habilité. Li ba nous capacité pour nous travailler, pour nous développer l'idée, pour l'idée à ba nous l'argent. Maintenant, ça fait que dans Deutéronome 8, verset 10, rivé dans verset 14, verset 17, rivé dans verset 18, nous voyons ça qui fait l'Éternel pour montrer nous clairement que bon Dieu pas de gain en plein pour nous dépasser misère, en nous garder ça le dit. Il dit lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Dans Deutéronome 8, verset 10 à 14 et verset 17, rivé dans verset 18. Ok, on continue verset 11. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, ok, souligner belles maisons, tu habiteras de belles maisons,
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a béni et qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Ouais, donc ça ne fait que ça, bon Dieu fait. Évidemment, ça le fait pour monter nos textes comme ce dit nous là. Bon Dieu dit Israël, lorsque vous êtes soutenu en Égypte, n'est-ce pas vrai? Eh bien, lorsque nous allons bâtir belle caille, nous allons habiter dans une belle maison, ouais, bon Dieu, c'est précis. Elle dit que bon Dieu connaît clairement que, comme petite lui, que le création d'image à sa ressemblance, et que le crée nous pour nous gérer une richesse, nous supposons habiter dans une belle caille, nous supposons habiter dans une belle maison. Voilà. Là, il dit, on a bâti belle caille, on a habité belle maison. Et puis, qu'on y a, là, nous, ouais, augmenter l'argent, nous augmenter l'or, nous, tout ça qui est pour nous, il va l'augmenter. Donc, maintenant, bon Dieu dit, pas oublier, puis, nous, en flé d'orgueil. Voilà. Elle dit que, normalement, puisque bon Dieu c'est créateur, lui c'est lui seul qui met, c'est lui seul qui propriétaire. Tout le monde qui a vu sur la terre, qu'elle soit sortie qu'à posséder, c'est à bon Dieu ou à travail. C'est-à-dire que bon Dieu c'est lui-même qui propriétaire, nous c'est gérant, nous c'est administrateur. Donc maintenant, en tant qu'administrateur, les nous riches, nous gagnons des pile de bagages, pour nous pas quitter orgueil, pour ne pas enfler orgueil, pour nous dire clairement c'est affaire pas nous, mais pour si ça l'Éternel te veut, mettez en garde comme ça. Maintenant, si un monde riche, il gagne l'argent, il gagne belle caille, il gagne aussi des moyens que l'a bien fonctionné et que l'a servi bon Dieu, son bagage normal, son bagage naturel et normal pour le comme ça. Les monde dans qu'on y a malheureusement qui gagne richesse ou bien comme si qu'a pense que en fait quand il passe servir bon Dieu parce qu'il est riche quelconque, elle dit ça monde ça mal utiliser la richesse qui sont bénédictions que bon Dieu met à disposition pour le fonctionner avec. Et ça qui est intéressant, nous avons constaté, quel que soit riche que monde qui est riche, ou à riche pendant sur la terre. Parce que l'on vient sur la terre, ou sortir dans votre maman, ou sortir avec les mains vides, tout ça fait en termes de caille, machine, connaissance que nous gagnons, nous servons avec vous pendant nous sur la terre là. Et là, nous allons les mains vides, parce que justement, c'est sur la terre que nous avons créé pour nous vivre avec richesse. Donc voilà, elle dit que bon Dieu connaît clairement le passage que nous venons faire sur la terre, nous avons besoin de moyens pour nous accompagner l'existence, et puis qu'on a limité, bah, ça va à disposition. Nous. Donc, il y a un monde qu'on a qui, pas ignorance, pas qu'on est très bien, et puis qu'on a ça vient faire qu'on a, les mal utiliser, nous pas capables, parce qu'on a un mal utilisé richesse, et puis qu'on a pour nous généraliser, pour nous développer un complexe de rejet, nous raillir richesse, nous raillir pour nos prospérité, c'est comme si, prospérité a son problème. Non, on monde qui t'est mal utilisé, donc là ça mon n'a besoin avec bon Dieu qui met lui. Mais moi-même moi connais l'aime riche, moi gagne l'argent, moi gagne un série de bagailles, moi mettre à disposition bon Dieu pour bon Dieu continuer travailler. Normalement, le ça pour permettre que bagaille ça utile l'autre monde. Donc le ça, richesse sous bagaille tout à fait normal et naturel et bon Dieu dit que nous habiter de belles maisons, n'a bâti belles maisons habiter dans belle caille, les nouvelles l'argent nous a augmenté, l'or nous a augmenté, c'est pour nous songer l'Éternel, c'est lui-même qui te donne nous force avec habilité pour que nous gagnions richesse. Voilà. Donc ça ne fait que c'est que ça la Bible dit nous clairement d'après dans Deutéronome côté nous sommes liés. Et dans ce n'a pas et noter ouais que notre texte il parle de et qui donne nous force, mais version anglaise hein, que moi mets en pile c'est dans NIV que m'appelle NIV qui c'est New International Version. Il dit verset 12 pour monter nos clairement que il dit otherwise when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down and when your herd and your flock grow large and your silver and gold and increase and all you have is multiply. Donc songez pour ne pas oublier l'Éternel notre Dieu. Gardez pour nous, ça ne fait que parce que justement qui est en nous continuer pour nous garder parce que c'est l'Éternel qui ben nous habilité. Dans verset 18 là, regardez ça dit, but remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui ben nous habilité pour nous produire richesse.
Donc ça veut dire que l'or riche, les riches, les nous gagnons l'argent, c'est bon Dieu qui va nous habilité, qui va nous capacité, qui va nous l'intelligence pour nous riches. Donc le ça, ou pas capable, l'offre une gain qu'on a pour mal utiliser. Et c'est ça là, danger qui gagne lorsque l'homme lui-même fait ça. Nous tous, capitaine de blanc, nous méritons un business, nous méritons un propre affaire, nous qu'à fonctionner, parce que justement, là, nous gagnons l'argent, il est bon, non seulement il est bon pour la cause de Dieu, il est bon pour cause personnelle par nous, il est bon pour cause familiale nous, parce que justement, là, nous bien, nous gagnons comme nous fonctionné très bien, nous refléter la gloire de Dieu. Mais l'homme n'a mis à vivre dans des mendicités, dans saleté, dans des côtés moun pas supposé être, voilà que c'est ta supposé bête qui t'a supposé être là-dedans. Et il y a des côtés, moi-même personnellement, par exemple, nous voyageons que nous, comment il y a traité bête. C'est-à-dire, nous-mêmes, notamment en Haïti, nous avons dit qu'il y a des côtés, des façons que moun yo traité nous, c'est pas côté pour moun t'a prêté. Eh bien, le ça, là, nous, dans le niveau ça, dans la situation ça pas fait la gloire de Dieu. Ça va refléter la gloire de Dieu. Non, il va refléter la gloire de Dieu. Donc, au contraire, l'ennemi dans la misère, ça reflète, ça fait l'ennemi, justement, jouer un plaisir pour un plaisir sur nous. N'est-ce pas vrai? Pour minimiser nous et pour minimiser notre Dieu. Donc, ça fait que l'ennemi bien, l'ennemi qui a moyen l'argent, nous qui a bien car, nous qui a machine, nous qui a voyage, nous qui a fait aussi le bagage, ça fait la gloire de Dieu. Donc, voilà, elle fait que parce que l'instant nous vient refléter la gloire de Dieu, notre Créateur. Donc, maintenant, ça fait que, normalement, nous créer pour nous gérer richesse parce que c'est comme ça, les gains. Ça fait que, normalement, c'est ça qui est important pour nous connaître. Ça fait un temps, mais, bagaille ça, nous essayer, mettez-les, répétez ça comme façon. Elle dit, succès, c'est notre droit de naissance. Succès, c'est droit de naissance, nous. Nous créer pour nous gagner succès. Donc, ça ne fait que même les oiseaux, en fait, les fait pour vivre dans l'air, les poissons fait pour vivre dans la mer, l'homme créé pour l'homme gérer richesse. Well, succès, c'est droit de naissance, moi. N'est-ce pas vrai? Moi, créé pour me gagner succès. Même les oiseaux, les vols, les vivent dans l'air, même les poissons vivent dans la mer, moi-même, moi, créé pour me gérer richesse. Ça me permet, nous connaissons ça et nous essayons de faire ça tourner en forme d'affirmation pour nous dire tête nous. Success is my birthright. I was born to succeed. As a bird was born to live in the air, fish in the sea, I am created to manage wealth. Nous créons pour nous manage, nous créons pour nous gérer richesse. Ça veut dire que succès, c'est doit donner sens. Moi, j'ai été fait pour me capable de gagner succès. Même Jean Oiseau, en fait, il est créé pour voler dans l'espace. Poisson créé pour vivre dans la mer. Moi, créé pour me gérer richesse. Si nous regardons, on va regarder. Poisson à l'aise, là, nage dans la mer. Oiseau à l'aise, là, voler, voler dans l'espace. Il en est de même. Nous-mêmes, l'homme, nous devons à l'aise, nous devons content, les nab gérer, les nab administrer richesse. Voilà. Donc, ça fait que ça, c'est travail que nous créons pour ça. Parce que justement, bon Dieu crée nous, normalement, pour nous capables de gérer richesse, pour nous capables de gagner tout ça. Normalement, ça fait que, puisque qu'on y a là, ça, c'est en termes de domination, normalement, monsieur t'a fait présentation. Nous créons pour nous dominer, normalement, pour nous gérer, pour nous dominer sur les circonstances, nous créons pour nous dominer sur, pour nous dominer richesse, c'est-à-dire que pour nous gérer, administrer richesse. Normalement, qu'on y a là, nous dit, par exemple, nous créons à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Eh bien, normalement, mot hébreu qui utilise, qui est traduit pour le mot image, ici, il c'est bisalmenu. Bisalmenu, ça veut dire, il sorti un mot qui forme, ça veut dire que, en forme spirituelle, intellectuelle, intelligence morale, ou bien la même fonction que. Ça veut dire que, normalement, nous créons à l'image de Dieu, n'est-ce pas vrai? Mot ça, il sorti dans un mot hébreu qui c'est bisalmenu, qui signifie forme spirituelle, intellectuelle, intelligence morale, la même fonction que. C'est-à-dire que là, nous créons, bon Dieu crée nous, justement, à son image, ben nous, la même fonction. Quelle est la fonction de Dieu? Dieu est créateur, nous-mêmes, tout l'homme, nous sommes créateurs. Donc maintenant, ça fait que, qu'on y a, ça fait que nous avons essayé de présenter l'émission ça pour nous aider à comprendre, normalement, pour nous pas créer ça, nous pas voulons, pour nous créer ça, nous voulons. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, là, même Captain Devlin, comment t'as aimé la vie dans 2 ans qu'a venu? Comment t'as aimé la vie dans 5 ans qu'a venu? Comment t'as aimé la vie où normalement? Et puis qu'on y a, comment ça pense à elle? Comment ça m'imagine? J'en t'as aimé dans 5 ans?
et qu'on y a pour créer la vie qu'on a remis. Mais malheureusement, avec un mode d'éducation que nous recevons, nous créons malheureusement ça nous pas voulu, ça nous pas remis. Donc il faut que ce soit remis. Voilà. Donc maintenant, normalement, mot ressemblance tout. Il sorti dans même dans mot grec qui traduit par ressemblance, il signifie démonter nous. Démonter nous, lit également la forme physique de. Il fait que non seulement Dieu est esprit, la Bible dit nous clairement que, mais normalement Dieu a une forme physique, normalement, vous dire une forme. Et bien, normalement, nous créons ni dans l'image de Dieu, ni dans la ressemblance. Donc maintenant, ça fait que, normalement, nous sommes capables d'essayer de comprendre la réalité ça pour permettre que nous connaissions clairement que qui est de capier. Si ça me dit, par exemple, si nous prenons un série de monde qui est riche aujourd'hui dans le monde, si nous prenons par exemple, ma pomme capable une dame qui est passée ici, d'après un journal, qui présentait ça et en journal ça les Business Standard Journal et qui présentait les salaires les monde qui plus riche dans le monde aujourd'hui, ils ont présenté les 10 monde qui plus riche dans le monde que me casser les banons, nous devons essayer de nous clairement que si on t'a dit nous créer une image de notre ressemblance, comment on t'a dit ça? Par exemple, il y a un premier c'est une française qui est Françoise et Bettencourt Meilleur. Dame ça, lui fait l'argent lui c'est non L'Oréal. L'Oréal, ça dit que nous connaissons ce produit, que nous, un produit de beauté. Actuellement, là, ça dit que ça lui est revenu net, madame, ça lui a 66 billions de dollars. Ça dit que c'est dans l'industrie de consommateurs que les mêmes liés, sont françaises. Donc maintenant, si on t'a dit que nous t'es créé à l'image, madame, ça, probablement, nous t'avons senti nous fiers. Hein? Donc maintenant, si nous prenons le 9e, qui c'est Mukesh Ambani. Mukesh Ambani, en fait, monsieur le même, actuellement là, il y a 66,1 billion de dollars. Son indien lié, c'est indien. Donc, monsieur, c'est dans l'industrie énergie, monsieur fait comme. Si on t'a dit, nous créons une image, monsieur, ça, monsieur, que nous avons senti nous fiers, hein? Nous avons content. C'est même ça, ça fait que, si nous prenons par exemple Serge Brun. Serge Brun, c'est cofondateur Alpha. Alpha, c'est le même que nous, Google, communément, nous connaissons comme Google. Et Alpha, là, dit que l'opin Serge Brun, actuellement là, COB que monsieur gagne, il y a 67,6 billions de dollars. Ils sont américains, monsieur, c'est dans le domaine technologie, monsieur fait l'argent ça. Donc maintenant, si on t'a dit que nous t'es fait une image, monsieur Savoie, c'est sûr que ça t'a voulu dire un bagage pour nous-mêmes. Si je prends par exemple Larry Page, c'est cofondateur Alpha aussi, monsieur actuellement, il y a 69,8 billion de dollars. C'est la technologie, monsieur fait l'argent, c'est toujours Samsung dit qui c'est Google. Si nous prenons Warren Buffett, c'est-à-dire monsieur c'est justement monsieur actuellement là comme que monsieur gagne, il y a 70,4 billion. Pas bien monsieur tient un plus petit chiffre, m'a venir dans plus gros. Donc monsieur lui-même c'est dans l'industrie aux États-Unis monsieur. Si on prend par exemple Steve Ballmer, c'est monsieur c'est ancien CEO au niveau Microsoft, actuellement là monsieur gagne presque 74,3 billion de dollars et c'est dans l'industrie technologie monsieur fait comme ça. Bon. Nous prenons Mark Zuckerberg, tout le monde connaît clairement que c'est monsieur qui même qui fondateur, c'est CEO et son cofondateur Facebook. Monsieur cap revenu qu'on y a actuellement là, monsieur gagne 88,6 billion de dollars c'est dans la technologie que monsieur fait l'argent. On nous dit que si on t'a dit nous fait une image monsieur ça c'est ceux qui grimpent dans nous qui tapent content. Et bien on nous prend troisième nom qui c'est Bernard Arnault. Monsieur est obligé actuellement là c'est 90,9 billion de dollars. Monsieur c'est dans le produit de consommateur lié, monsieur sont français. Nous prend Bill Gates par exemple deuxième nègre qui est plus riche. Là dit c'est sorti dans 10e, tombé dans 9e et ainsi de suite. Nous prend par exemple Bill Gates c'est cofondateur Microsoft. Actuellement là, monsieur a 114 billion de dollars, c'est dans le niveau technologie et monsieur sont américains. Nous prenons par exemple Jeff Bezos qui c'est number one, qui c'est fondateur Amazon, il a 172 billion de dollars, c'est dans le domaine technologie commerciale, dans le domaine e-commerce que monsieur a fait comme ça. Alors, si vous avez 10 mois avant, vous faites à imaginer que ça va ressembler à ça, nous sommes so fiers, nous sommes très très fiers, n'est-ce pas vrai? Nous sommes fiers en pile, mais ça ne connaît pas si nous faites à l'image du créateur, à savoir à l'image de l'Éternel, qui c'est tout nèg sa yo que me sont cité là yo, y compris tout l'autre nous connaît qui gagne pile l'argent yo tout y a travaillé avec l'Éternel. Y a travaillé avec l'Éternel qui c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est eux même tout, yo fait à l'image de Dieu
à sa ressemblance. Et qui s'est passé? Comment vous créez moyen ça vous gagne? Vous créez parce que justement, ça passé, c'est penser, vous avez pensé, vous croyez que c'est normal pour mon riche, vous croyez que c'est normal, et puis vous lancez l'idée, et puis l'idée a fait chemin. Ou même Captain Dem là, Cap Gardem là tout. C'est-à-dire que l'idée qu'on a dans la tête, c'est possible. Parce que l'argent, ce n'est pas l'argent que vous avez besoin de gagner. Ce n'est pas l'argent que vous avez besoin pour gagner l'argent. C'est l'idée pour vous gagner d'abord pour gagner comme. Ça parce que c'est avec l'idée que tout va commencer. Donc maintenant, moi-même avec son idée, l'univers, son idée, parce que c'est son idée qui se dit dans le Créateur, dans mon Dieu. Et mon Dieu fait que nous, chaque, capable de changer vie nous avec une idée. Donc maintenant, vous-même, Captain Dem, Captain Gardem, qui a une idée, soit capable de faire pour permettre que l'idée matérialise, pour une idée. Écrit sous papier, chaque jour levé, prends temps pour l'île, pour garder, et puis avec espoir, puis régénérer et sentiment. Lorsque l'idée ça matérialise, comment on sentir, comment on content. Et puis rapidement, bon, garantie la matérialiser, quel que soit côtoyé. Quel que soit côtoyé. Qu'on y a, soit on va obligé faire tout, on va décrasser dans l'espoir l'idée que nous créons pour nous passer misère. On va décrasser la ça dans l'espoir. Ou décrasser l'idée ça, et puis qu'on y a connaît que ou créer pour gérer, pour administrer, pour gouverner, pour gérer richesse. Donc maintenant, immédiatement qu'on y a ou vient développer une croyance comme ça, on pas besoin qu'on ait qui gens ça passer. Parce que c'est bon Dieu qui fait nous comme ça, depuis nous croyons bagaille, depuis nous croyons avec conviction, lui domine l'esprit nous, la tourner réalité nous. Donc ça veut que nous besoin gain idée parce que pas l'argent en un mot que nous besoin gain. D'ailleurs par exemple, yo raconter même par exemple l'histoire et même yo raconter par exemple l'histoire de si me cap exemple lorsque monsieur t'a lancé Google. L'exemple t'a lancé Google. Première idée que t'a gain, Google c'était dans l'aime se parler avec madame, il dit il gain l'idée pour capable essayer font bibliothèque virtuelle comme si mettre les trois livres en bagage et puis pour mon cas aller online faire lecture. Il dit dame non, eh bien qui j'aime t'aimer faire ça, ben nous fait li justement dans closette la caille. C'est dans closette la caille, il m'a dit dame non. Dame non dit never jamais, il pas d'accord monsieur faire là dans closette là. Et puis qu'on y a manger parti. Les dames dans venir, je vais ramasser toute radio, les mettre au dehors et puis les lancer Google. Google sorti dans closet, les tomber dans garage jusqu'à ce que mes côtés le venir qu'on y a là. Même gens avec Steve Jobs, les ont lancé Apple. Là dit que c'était dans garage là caille les avec leurs amis, ils ont lancé. Voilà que qu'on y a living en bagaille mondial. Donc qui veut dire c'est l'idée pour nous gagner qui pour nous l'argent. Donc maintenant seconde idée, frère, seconde idée somme caresser l'ido, écrire sous papier, dream ni, a dit révèle, et puis ben nous garantit bon Dieu faire le tourner réalité. Donc ça fait que c'est ça nous besoin de développer pour nous capables de gagner moyens, pour nous fonctionner, pour nous développer, parce que bon Dieu, notre Créateur, livre nous des moyens pour nous capables de fonctionner, livre nous des moyens pour nous capables de faire face à besoin nous, livre le petit livre bien et à l'aise. Parce que pas qu'une raison pour que moi avec ou même soutenir l'idée comme s'il faut pauvre pour sauver même. Et d'ailleurs tout le monde a constaté pauvreté plus difficile pour nous sauver avec. Il faut faire mentir, il faut pas vivre bien, il fait stress à tout nous. Donc par conséquent, il est plus facile pour le monde dans misère, dans pauvreté pour pas sauver. Donc par conséquent, et alors que pour nous riches, pour nous gagner moyens pour nous fonctionner, c'est l'idée pour nous gagner d'abord. Donc mes amis, l'air ça c'est presque arrivé encore pour aujourd'hui. Naturellement, m'a pensé que c'était un auditeur qui t'a intéressé, participer avec nous, poser questions, faire suggestions et autres. Donc si pas gagné, donc ça fait que nous va camper là justement avec l'émission changer l'esprit, changer la vie. Donc mais naturellement, nous t'ai un petit peu en retard mais nous quand même try pour nous récupérer le maximum d'informations que nous partager avec vous-même. Donc ça m'a demandé pour qu'a faire pour moi. Allez sur Google, allez sur YouTube, écrit Gerphry TV, GERPHRY, et puis TV, et puis allez abonner avec channel ça, vous allez abonner avec chaîne ça, de sorte que toute vidéo nous produit, tout ce qu'on a dit là, normalement, nous pourrons gagner pour nous capables de produire, mettre yo sur channel là, pour capable ou même temps de yo. Et puis qu'on a pour commencer à développer l'état d'esprit ça, pour commencer à aimer richesse, pour commencer à aimer l'argent, parce que nous créons pour nous administrer, nous créons pour nous gérer, nous créons pour nous capables de gouverner, parce que c'est comme ça nous créons. En nous tête nous, Jean, bon Dieu, ouais nous, dans façon religion, ouais nous. En nous tête nous, Jean la Bible, dit nous,
nous créer à l'image de Dieu à sa ressemblance, nous créer pour nous dominer. Donc ça fait qu'on y a vous-même, ce qu'a fait, pour nous répéter tout ça. Moi dominer, moi j'ai pouvoir pour me dominer toutes circonstances dans la vie, parce que j'ai capacité pour me faire ça. Et qu'on y a fait en termes de parole qu'on a dit chaque jour, et bon garantie quelle que soit circonstance qui vient, on va dominer, on va gagner victoire et qu'on y a va changer vie, parce que pas un monde qui va changer vie pour vous, sinon que vous-même qui prend une décision pour changer. Merci, à la prochaine. Merci à nous tous qui l'attendez.